nouvelle semaine, nouvelle tendance, nouvelle édition Zoom Eco Live. C'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Merci de le faire. Nous allons commencer déjà avec cette tendance des principaux produits miniers du 21 au 26 février 2022. On en parlera dans la tranche chiffre clé. Nous allons aussi revenir avec le dossier qui vous présentera, bien sûr, cette joie de la population qui se réjouit enfin de la suspension définitive de la taxe qu'on appelle le RAM. Cette taxe qui a fait couler assez d'encre de salive en République démocratique du Congo. Nous en parlerons également dans cette édition, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ce nouvel en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a emprunté 20 milliards de francs congolais, soit près de 10 millions de dollars américains, sur le marché intérieur de capitaux. C'était à l'issue de la séance d'adjudication de bourse du Trésor du 15 février 2022 au siège de la Banque centrale du Congo, renseigne un communiqué du ministère des Finances. Autre nouvelle, cette fois-ci les réserves d'échange de la Banque centrale du Congo s'y sont chiffrées à hauteur de 3,5 milliards de dollars américains au 18 février 2022, a indiqué la gouverneure de la BCC, Malangu Kabedi, au cours de la 41e réunion de conseil de ministres. Ces niveaux de réserves d'échange de la République démocratique du Congo demeurent inchangés depuis les débuts de cette année. En effet, cette somme de 3,5 milliards de dollars américains correspond à plus de 3 mois d'importation de biens et services de ressources propres, a rappelé la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a informé le membre du gouvernement de mécanismes enclenchés pour permettre à la République de récupérer les actifs miniers et blocs pétroliers évalués à 2 milliards de dollars américains. C'est dans le cadre de l'assainissement du secteur de mines et des hydrocarbures. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a rappelé l'opinion levée en ce qui concerne le contrat et convention sur les concessions minières et pétrolières du groupe La Fleurette, en vue d'un règlement global et à l'amiable de tous les litiges susceptibles de rétablir la République démocratique du Congo dans ses droits. Et pour finir, le principal produit minier exporté de la République démocratique du Congo devrait enregistrer une hausse de leur prix sur le marché international au cours de la semaine allant du 21 au 26 février 2022. D'après les projections de la Commission nationale de mercurier du ministère de commerce extérieur, le cuivre devrait se négocier à plus de 10 milliards la tonne la semaine contre 9 825 dollars la tonne la semaine dernière, soit un écart positif de 180,3 dollars américains. Au cours de la même période, l'étain, les zinc et l'argent devraient également connaître une hausse de prix sur le marché international. De retour sur ce plateau, vous avez suivi les informations en bref en République démocratique du Congo. C'est avec notre rubrique les nouvelles en bref. Nous allons déjà prendre notre deuxième rubrique. Ce sont les chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Onamaka et c'est tout de suite. Elle est avec nous sur ce plateau. Judith Onamaka, bienvenue. Merci à vous. Voilà, nous commençons avec vous cette semaine avec des informations puisqu'il s'agit des chiffres clés, des informations économiques. Mais avant tout, on va faire ces petits périples pour avoir la température, le taux d'échange, le taux officiel, le taux parallèle. Qu'est-ce qu'il en ressort? Voilà, en faisant le point sur le cours de change actuel en RDC, il s'observe qu'à l'officiel, 1 dollar sur votre recette à 1999 francs congolais, 1 franc CFA s'altère à 3,46 centimes et 1 euro sur votre recette à 2275 francs congolais. Dans la partie marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui l'Embassa Longo et dans cette contrée, 1 dollar s'aliène à 2015 francs congolais, 1 franc CFA s'acquiert à 3,50 centimes et 1 euro vaut 2340 francs congolais. Justement, Judith Onamaka, parlons un tout petit peu de cette tendance générale de cours de produits miniers exportés par la RDC du 21 au 26 février 2022. Voilà, les principaux produits miniers exportés de la RDC devraient enregistrer une hausse de prix sur le marché international de la période allant du 21 au 26 février 2022. D'après les produits
projections, le cuivre devrait se négocier à 10 010 $ la tonne cette semaine, contre 9 825 $ la tonne la semaine dernière, soit un écart positif de 180,3 $. J'aimerais qu'on fasse un tout petit peu une analyse comparative par rapport à la semaine précédente. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'étain, de l'argent et même du zinc, qui sont également de produits miniers? L'étain, le zinc et l'argent devraient enregistrer également une hausse de prix sur le marché international. Ainsi, l'étain se vendrait à 43 986,50 $ la tonne cette semaine, contre 43 377,50 $ la tonne la semaine passée. Le zinc va se négocier à 3 675,30 $ la tonne cette semaine, contre 3 631,95 $ la tonne la semaine dernière. Et enfin, l'argent, qui enregistre une hausse de 0,1 $, va s'écouler à 0,76 $ le gramme, contre 0,75 $ la tonne la semaine dernière. Alors, on va finir avec vous, Judith Onamaka. J'aimerais avoir aussi quelques précisions, c'est la question. Et la dernière, que dire alors de ce produit minier à tendance stable sur le marché international? Le cobalt, l'or et le tantal devraient enregistrer une tendance stable sur le marché international. Le cobalt devrait se vendre à 74 970 $ la tonne, l'or à 59,17 le gramme et le tantal à 327,00 $ le kilogramme. Ainsi, il s'observe que la tendance générale des produits miniers exportés de la RDC aussi entre la hausse et la stabilité pour la semaine allant du 21 au 26 février 2022. Merci à vous, Judith Onamaka, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. C'était un plaisir pour nous d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous. Après elle, nous allons cette fois-ci prendre une autre rubrique. Il s'agit bien sûr du dossier qui nous est présenté par Judith Piombo. Tout de suite. Le gouvernement adopte un projet de loi visant la suspension définitive de la taxe RAM. On en parle avec donc vous, Judith Piombo, puisque vous êtes déjà la bienvenue. Merci beaucoup, Guy. Alors, nous allons déjà commencer avec cette première question. Enfin, on doit le dire ainsi, le gouvernement a adopté la suspension via ce projet de loi de la taxe RAM, une suspension définitive, c'est ça? En effet, le gouvernement a adopté le projet de décret portant suppression de la taxe RAM, la taxe des registres des appareils mobiles. Et donc, la suppression de cette taxe, bien sûr, est une réponse au cri de détresse du peuple congolais face au prélèvement des unités de communication. Alors, une décision qui doit sûrement réjouir les usagers de téléphonie mobile ou les utilisateurs de téléphonie mobile. Zoomé à travers vous, a réalisé un reportage pour prélever la température sur le terrain. Comment est-ce que la nouvelle a été perçue? Les réactions sont plutôt positives, on peut le voir, et finalement la population congolaise pourra faire un grand ouf sur ce sujet qui provoquait par-ci par-là des grognes. Et pour le reste, je vous propose de suivre ce reportage que nous vous avons ramené. Voilà, on va suivre avec vous, mais également avec vous qui nous suivez chez vous à la maison. C'est donc ce reportage qui nous est présenté par Judith Piombo. Tout de suite, le dossier. Un sentiment de joie par certains et pour d'autres, une liberté. Enfin, la décision est prise et officiellement annoncée par le gouvernement il y a peu. Projet de décret fixant les modalités de calcul et le taux de revenu des prestations de l'autorité de régulation du secteur des télécoms. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et des Communications a soumis au Conseil ce projet de décret pour sa délibération. Ce projet de texte est une réponse au cri de détresse du peuple congolais face au prélèvement de ses unités de communication et aux recommandations pertinentes de l'Assemblée nationale. S'inscrivant dans la suite de la décision gouvernementale portant suspension de la perception du taux de 1 $ pratiqué sur tous les appareils mobiles de deuxième génération, prise en octobre 2021, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a rassuré le Conseil que toutes les dispositions sont prises pour que cesse définitivement, à partir du 1er mars 2022,
toutes les ponctions directes sur les unités des abonnés au titre de rémunération au service dit registre des appareils mobiles RAM. D'ici à cette échéance, ce temps sera mis à profit pour comprendre, pour entreprendre des travaux techniques, des réinitialisations des paramètres de la base de données pour qu'il n'y ait plus aucune ponction. Ainsi, toutes les dispositions antérieures seront abrogées par la modification du décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestations de l'autorité de régulation de la Poste Télécommunication du Congo, ARPTC en sigle, lesquels devront lui permettre d'assurer les missions lui confiées par la nouvelle loi relative à la télécommunication et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un arrêté du ministre ayant dans ses attributions les postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication fixera par la suite les modalités d'exécution du dit décret. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce décret. Et déjà, sur les lèvres des utilisateurs de téléphonie mobile, un seul message, merci. Je m'appelle Mingi, je ne vais pas suspendre RAM et je ne vais pas congolais et je ne vais pas suspendre RAM et je ne vais pas suspendre RAM. Donc, après ce crédit, nous sommes sur la mobile. Tu as mis à l'aise, tu as crédit, tu as un procès à Koubenga, n'importe comment, pour ça, tu as besoin. Tu as un RAM, tu as un hôpital, tu as digne, tu as fait un message, tu as un accident, tu as un RAM, tu as un RAM, tu RAM, tu as un 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 retard, donc tu as un RAM. Ceci fait suite à plusieurs revendications de la population sur ces taxes RAM qui, aussitôt mises en œuvre, étaient remises en cause et même contestées par plus d'une personne qui revendiquait la légitimité de la taxe et la procédure de paiement qui était quasiment obligatoire et contraignante. On s'est posé plusieurs questions par rapport à la taxe qu'on avait imposée à la population. L'État, y compris l'inspectorat de finances, devrait au moins mener des enquêtes, faire des audits, voir si réellement la taxe qu'on avait imposée à la population, si cette modification de recettes est convergée dans la trésor publique, si réellement on trouve qu'il y a des bévis qui ont été commis lors de la mobilisation de ces taxes. Et que l'État puisse faire son travail. Parce qu'aujourd'hui, on supprime la taxe. La population se pose des questions sur les unités que nous avons perdues, s'ils seront remboursés par l'État. L'annonce du gouvernement précise à partir du 1er mars sa suppression définitive, tout en rassurant sa prise en charge pour la période précédant sa suppression proprement dite. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces détails. À travers votre reportage, nous avons remarqué, constaté que le lèvre de tous ces utilisateurs de téléphonie mobile ne sortait qu'un seul message, merci, et même exprimer un seul sentiment, un sentiment de joie. Je pense que vous allez revenir prochainement avec un dossier plus approfondi sur également les conséquences qui en suivront, mais également aussi les réactions des différentes entreprises de télécommunications. C'était un plaisir pour nous. Merci. Voilà, nous allons passer cette fois-ci à une autre rubrique, mais avant tout, suivez ceci. Bonjour. Après les émissions des bons du Trésor, d'abord en francs congolais, puis indexés en dollars américains, le gouvernement congolais utilise un autre moyen d'emprunt de fonds sur le marché financier local. Il s'agit des obligations du Trésor qui ont été lancées le 1er février 2022. Ces obligations du Trésor sont elles aussi
indexés en dollars américains. Eh bien, pour la première opération, le montant proposé était de 150 milliards de francs congolais. Toutefois, les banques ont proposé un peu plus que ce montant dès lors que leurs soumissions ont atteint 165 milliards de francs congolais, soit un taux de couverture de 110%. Seulement, le montant retenu a été de 105 milliards de francs congolais, équivalent à 52,5 millions de dollars américains, comme le précise la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo. Dans le cadre de ces efforts pour mobiliser davantage de recettes en vue de faire face aux dépenses de l'État, le gouvernement de la République démocratique du Congo peut désormais compter à la fois sur les bons du Trésor et les obligations du Trésor, toutes deux indexées en dollars américains. Entre le mois de février et mars 2022, le ministère des Finances compte lever un montant équivalent à 430 milliards de francs congolais, ce qui équivaut à près de 215 millions de dollars américains. D'après le calendrier des émissions des bons du Trésor et des obligations du Trésor indexées publiées par le ministère des Finances, il n'y aura qu'une seule émission des obligations du Trésor indexées d'une échéance de 3 ans et 3 bons du Trésor indexés d'une échéance de 6 mois. Quelles sont alors les similitudes et les différences entre un bon du Trésor et une obligation du Trésor? Les bons du Trésor et les obligations du Trésor sont à la fois des titres émis par le gouvernement afin de lever des fonds pour le fonctionnement du gouvernement et de rembourser les emprunts en cours. La principale similitude entre ces titres est qu'ils sont tous émis par la même partie et que toute personne qui les achète prête essentiellement de l'argent au gouvernement de leur pays. Quelle que soit leur similitude, les bons du Trésor et les obligations du Trésor sont très différents des uns des autres en termes de caractéristiques. Eh bien, les bons du Trésor sont des titres à court terme dont l'échéance est généralement inférieure à un an. En revanche, les obligations du Trésor ont une durée plus longue et ont généralement une échéance qui varie entre 3 et 10 ans. Selon des spécialistes, les bons du Trésor offrent une bien meilleure liquidité à leurs investisseurs, car ils sont bloqués pendant une période beaucoup plus courte, alors que les obligations du Trésor exigent des fonds pendant plusieurs années, ce qui les rend bien souvent moins attractifs pour les investisseurs potentiels. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Elle s'improvise dans votre salon et elle vous fait sûrement du bien avec son marché qu'elle vous ramène chez vous à la maison. Aujourd'hui encore, Naomi Kandé frappe à votre porte. Elle vous ramène les prix des insecticides, mais également des pesticides. C'est tout de suite dans sa rubrique Zoom Wendy. On y va. Bienvenue à tous dans Zoom Wendy. Certains insectes peuvent être nuisibles tant pour l'environnement que pour la santé. De ces faits, il est utile de pouvoir éliminer ceux qui peuvent nuire à notre quiétude. Le marché d'aujourd'hui vous présente le prix des quelques produits qui vous permettront d'éliminer quelques insectes. Le marché, c'est dans quelques instants. Nous avons pour vous le prix des insecticides qui coûtent 500 francs et 3000 francs. Une bouteille d'insecticide de 1 litre revient à 5 000 francs. Celui de 5 litres coûte 10 000 francs. Pour ceux qui préfèrent des insecticides en spray, cela revient à 8 500 francs. Une sourière ou un piège à souris destiné à attraper le souris coûte 2 500 francs pour la petite mesure. La grande dimension se vend à 12 000 francs. Le raticide est un produit utilisé pour éliminer le rat. Cela se vend à 500 francs et 1 000 francs. Dans la famille des pesticides, le acaricide coûte 35 $ pour 1 litre.
100 ml revient à 8000 francs. Les 10 météoates coûtent 30 dollars et 100 ml de 2 météoates se vend à 6500 francs. Vous pouvez aussi opter pour un service de désinsectisation pour vos maisons, bureaux où le prix varie entre 30 dollars pour une maison simple et 50 dollars à 100 dollars pour une grande maison et grand espace. En agriculture moderne, il est recommandé d'utiliser des pesticides biologiques plutôt que ces fabriqués avec des produits de synthèse. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps pour nous de vous soumettre à cet exercice de tout le jour. Prenez donc votre stylo et votre agenda puisqu'il va devoir vous donner des précisions sur les différents rendez-vous. Adassa Grasse vous présente l'agenda et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici pour aujourd'hui. Congo DG Business a débuté une nouvelle session en élaboration de projet ce lundi 21 février 2022 à partir de 16h jusqu'à 18h au numéro 3 avenue Colonel Ebeya à Kinshasa Gombe. Le frais de participation est fixé à 50 dollars. Autre entrevue est à prendre avec ITC Kinshasa. Pour cette nouvelle session en suivi et évaluation de projet qui a débuté ce lundi 21 février 2022 à Kinshasa sous un format virtuel pour se clôturer le 3 mars prochain. Le droit de participation pour cette session est fixé à 150 dollars plus 5 dollars comme frais d'inscription. Voulez-vous apprendre les métiers d'assistant et de secrétaire? Prenez donc rendez-vous avec Big, qui a débuté une nouvelle session ce 21 février à Kinshasa pour s'y clôturer le 25 février prochain de 9h à 12h pour la première vacation et de 17h à 19h30 pour la deuxième vacation. Le frais de participation est fixé à 70 dollars. Et pour clôturer, signalons à tous les Kinois qu'un événement sur la rentrée économique se tiendra à Kinshasa, précisément à l'hôtel Béatrice, ce mardi 22 février 2022, dès 12h à 14h, et sera axé sur caution et garantie financière pour les jeunes entrepreneurs, défis et réalités. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour vous présente une activité. Oui, il s'agit ici de la vente de l'avocat, mais aussi du corossol. Deux fruits qui détiennent de vertus très recommandées pour la santé, mais aujourd'hui qui permettent à cette dame qui a partagé avec nous son expérience de vivre, mais également de nouer le double du mois. Pour certains, une activité anodine, pour d'autres, une bonne façon de mieux organiser sa vie. Suivez article 15. C'est tout de suite. Débrouillard à jamais. Nala keka kia debe avoka. Inaneba deza mukie na ume. Kolanda kaka te tolandi mama ugofa nanda kute. Nala nata mama sima. Dans la lande, pas coaching à moi de gynèse. Mais c'est le peu vendu. Et permettant, il donne à Tnios, l'avantage est belé. Il y a un autre qui a été belé. Mais il y a un autre qui a été belé. Il y a un autre qui a difficulté est Zali. Il y a un autre qui a été belé. Sur les périodes, il y a un bon souffrir au fond du cabo et pour là au fond du cabo et pour là au pendant mon corps au gros se mettre à panier au père n'y a ce baby au père de la difficulté de coûter un an ou un an quand c'est à repasse à ma maman les a babima bah on nous prend des pseudo nous pas pour voir un endroit dans un sens monté.
C'est dans l'environnement des concurrences que nous avons vu le jour. Quelles sont les prévisions budgétaires des recettes publiques durant toute l'année en cours, l'année 2022? Dans un domaine stratégique, nous avons voulu prendre les risques. La Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation est face à un nouveau challenge cette année 2022. Nuit et jour, pour vous offrir le meilleur pour votre tête. Les crédits alloués à la ville de province de Kinshasa représentent 24% du montant total retrocédé. Nous l'avons fait ensemble. Le ministère des Finances est soumis chaque année à un contrat de performance. 2022, prenons rendez-vous avec l'histoire pour écrire une belle page qui va vous offrir une meilleure compréhension de l'économie en République démocratique du Congo. C'en est fini pour aujourd'hui. Zoom Eco Live, nous avons un an. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.